Vu ce jeudi de la formation des 125 agents de la police des mines et des hydrocarbures sur la sécurisation des sites miniers de la province du Nord-Kivu. Cette formation lancée par le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Romy Ekuka, il faut le dire, se tiendra durant 92 jours avec des matières spécifiques sur les mines et sur les hydrocarbures. Les détails avec Patrick Sialoua, notre correspondant. Venus du territoire de Masisi, Lubero et Walikale, ainsi que de la ville de Goma, ces policiers apprendront différentes matières durant les 92 jours de formation, déclare le représentant du commandant du centre de la police, de Mugunga. Cette session, qui sera lancée incessamment, comprend 34 modules répartis en 4 domaines, à savoir les matières d'ordre général, les matières technico-professionnels, les matières de spécialité liées aux mines et hydrocarbures, et enfin celles en rapport avec les domaines juridiques et judiciaires. Lance cette formation, le vice-gouverneur des provinces, le commissaire divisionnaire Romy Ekuka Lipopo, a appelé ses policiers à l'assiduité durant les 92 jours de formation. À vous, apprenants, vous devez savoir que à celui à qui on donne plus, on demande plus. Au sortir de cette formation, vous n'aurez plus d'excuses parce que vous êtes venu sur la montagne du savoir. Il vous appartient donc, chacun individuellement, de donner du sens aux 92 jours de privation que vous allez passer ici, loin de vos familles. Soulignons que cette formation est organisée avec l'appui de l'OIM.